manchette, aujourd'hui, remise des prix La Chance Trudel 2024 et dépôt du mémoire de l'île du Pas sur les zones inondables. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 17 octobre 2024, Alain Bellumeur, au pupitre. Hier, dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, la table Alliance Dignité a remis les prix Denise Lachance Trudel 2024, soulignant l'implication et le pouvoir d'agir de nombreuses personnes dans la communauté. Écoutons dans un premier temps Maryse Boucher, organisatrice communautaire au CLSC d'Autré, qui présente les organismes d'Alliance Dignité. Elle nous parle aussi de préoccupations des membres de l'organisme. Bienvenue à l'activité annuelle organisée par la Table Alliance Dignité-Berthier dans le cadre de la Journée internationale d'élimination de la pauvreté. Je m'appelle Maryse Boucher, je suis organisatrice communautaire au CLSC de Berthier. Je travaille avec la gang de Alliance Dignité. La gang d'Alliance Dignité, c'est qui? C'est les organismes dont vous voyez les logos ici à l'avant. On a le groupe d'entraide en toute amitié, l'Envol, le groupe d'entraide en santé mentale, la Maison de la famille aux 80. Le groupe Déclic, on a aussi la Maison des jeunes, on a la Société Saint-Vincent-de-Paul, le Centre d'action bénévole d'Autré, Travail de rue de la Batterie et la Ville de Berthierville qui travaille avec nous à Alliance Dignité. On fait quoi à Alliance Dignité? Dans le fond, c'est une concertation d'organisations que je vais vous nommer, qui sont nées en 98. Le but, dans le fond, c'est de travailler en alliance pour promouvoir le respect et la dignité des personnes qui vivent des situations de pauvreté. J'ai fait le tour un peu des cartons, tu sais, en vrac. Je ne vais pas vous nommer tous les petits post-it. Vous pourrez circuler puis y aller les regarder, mais il n'y a pas de souci. Déjà, en vrac, il y a plein de choses qui relèvent de nos gouvernements, surtout gouvernement provincial, liés à l'éducation, puis à la santé, aux services sociaux. À ce sujet-là, bien sûr, Alliance Dignité peut peut-être faire des lettres, des manifestations, des pressions. Fait qu'on pourra regarder ça avec la gang d'Alliance Dignité. Sinon, il y a plein d'actions collectives possibles que la gang d'Alliance pourra évaluer. Il y a des gens qui ont parlé de groupes d'achat, de jardins communautaires, de friperies, de cuisiner plus. Fait que je ne sais pas, ça peut se passer par des cours de cuisine ou des cuisines collectives, qui sait. Il y a quelqu'un qui a eu une idée de faire une banque des mauvais propriétaires liés à la crise du logement. On a parlé aussi de faire de la sensibilisation, des ateliers dans les écoles ou des activités culturelles pour sensibiliser à la réalité. Ce que j'ai vu sur les papiers, c'était à la réalité des personnes immigrantes ou aînées, mais je pense que ça peut être bon sur la réalité de tout le monde. On a parlé d'une journée corvée pour nettoyer les berges liées à l'environnement. Ça aussi, c'est bien faisable. Planter des arbres, donner une deuxième vie aux objets. Fait que c'est pas les idées qui manquent. Je vous assure, je ne les lis pas toutes parce que je vous ai promis que je n'allais pas vous tenir en otage ici. Mais vous pourrez circuler, aller les lire. La gang d'Alliance pourra voir ce qu'ils font avec ça. Puis tu sais, pour être un peu plus concret, Alliance Dignité fait déjà des actions qui peuvent répondre à ces choses-là. La ville de Berthierville était aussi représentée, cette fois par le maire Pierre Lahaie. On écoute son allocution. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne sais pas trop. On est sur le bord du dîner, fait que ça va être très, très court. Tout le monde a fait. Écoutez, moi, je pense que c'est important de souligner. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte contre la pauvreté. Il faut parler proche, OK? Tout le monde m'entend? Oui. Bon, c'est mon volume personnel. Moi, je pense que c'est important aujourd'hui. C'est une journée qui est importante, OK? Lorsqu'on regarde ça, cette journée-là, c'est de ne pas oublier en réalité les besoins qu'on a au niveau de nos citoyens. Ça, c'est extrêmement important. Ne pas oublier aussi les besoins en matière de logement aussi. Ça, c'est des choses qu'on a à cœur.
que j'ai à cœur ici au niveau de la ville. Cette journée-là aussi est importante parce qu'elle souligne les différents récipiendaires des prix qui vont être remis tantôt. Ça souligne aussi le dévouement et le travail que nos organismes et les gens qui sont dans nos organismes font tous les jours. Que ça, c'est très important de souligner ça. Je veux, en terminant, juste remercier tous les organismes, tous les gens qui travaillent, les bénévoles qui travaillent dans les organismes. C'est essentiel pour notre communauté. Je veux vous remercier tout le monde pour le travail et votre implication. Merci. Écoutons maintenant Carole Belrose du groupe L'Envol. Elle nous parle et nous raconte qui était Denise Lachance-Trudel. Donc, je vais me transformer, faire le petit mot Denise Lachance-Trudel. Alliance Unité, ça fait 13 ans qu'ils ont entamé une réflexion pour aider les membres à approfondir et améliorer les actions de lutte à la pauvreté. C'est dans ce but-là qu'on a profité de formation sur ce qu'on appelle le développement du pouvoir d'agir, donc l'empowerment en anglais. Celui-ci se définit comme la possibilité concrète des personnes ou des collectivités d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle ils s'identifient. C'est dans cet esprit que nous remettons pour la 11e année le prix Denise Lachance-Trudel pour souligner la contribution de personnes qui ont développé leur pouvoir d'agir individuel et collectif. Pourquoi Denise Lachance-Trudel? C'est en souvenir d'une personne qui a été très impliquée dans son milieu, qui a su faire face à des situations difficiles en développant sa capacité d'agir. Denise Lachance-Trudel, c'était une aidante naturelle qui s'est jointe au réseau des aidants naturels d'Autré et a apporté une contribution importante. Elle faisait face à des conditions de logement qui ne lui convenaient plus. Elle est devenue partie prenante d'un projet de créer les résidences communautaires Sacré-Cœur pour offrir des logements avec service aux personnes de 55 ans et plus. Un modèle, cette femme-là est un modèle à imiter. Malheureusement, elle est disparue trop vite, mais son exemple nous inspire dans nos efforts pour accompagner des personnes dans le développement de leur pouvoir d'agir. Donc, c'est pour ça que des années plus tard, on est encore en train de souligner Denise Lachance-Trudel et aussi de souligner des gens qui, par leurs efforts, bien, dans le fond, développent le pouvoir d'agir. Voilà. Le premier prix, celui Entreprise, a été présenté par Christian Coutu-Paquin du CABA, Centre d'action bénévole d'Autré, et par Julie Tétrault du groupe d'entraide En toute amitié. On regarde cette remise. Invité Julie Tétrault, hello Julie, et Christian Paquin Coutu, qui vont vous présenter la personne qui est récipiendaire pour le prix Entreprise de l'année. Donc, à chaque année, nous remettons le prix Denise Lachance-Trudel à une entreprise qui s'est démarquée par son implication dans notre milieu. Et c'est avec grand plaisir que la table Alliance Dignité de Berthier remet ce prix à la Caisse Desjardins de Dautré cette année, représentée ici par Mme France Lacroix, conseillère en communication à la Caisse Desjardins. Donc, nous partageons des valeurs communes, notamment en lien avec la solidarité et le développement humain. Votre implication dans la communauté fait une réelle différence pour notre milieu, à tous, à tous les organismes ici présents. Pour le groupe d'entraide en toute amitié, au fil des années, cela s'est traduit par la commandite d'un camion pour l'aide alimentaire, ce qui est fort bien. Également par l'achat de bacs pour la réception de nos dons et une participation annuelle à la quignolée de la Société Saint-Vincent-de-Paul pour nos paniers de Noël, sans oublier un appui majeur, voire historique, pour la Caisse des Jardins d'Autré à notre projet de relocalisation. Et au CABA, ben, vous êtes notre partenaire principal depuis des années. Vous participez à notre campagne de sociofinancement en doublant les dons des membres de la Caisse des Jardins de Dautré. Donc, vous nous avez aidé avec l'achat d'une minivan pour nos activités. Vous avez été là pour installer une nouvelle salle. À chaque fois qu'on a un nouveau projet, la Caisse est là toujours et c'est vraiment très, très apprécié.
Et tout ça, ben, c'est sans oublier votre implication dans de nombreux autres projets qui font une différence pour de nombreux organismes, mais surtout dans la vie de beaucoup de personnes. C'est rare qu'on peut dire ça de banquiers, mais vous êtes des personnes de cœur, sensibles à nos réalités. Donc, le partage de vos expertises est également extrêmement précieux pour nos organismes. Donc, permettez-nous aujourd'hui de vous adresser nos plus chaleureux remerciements. Nous sommes extrêmement touchés par votre grande implication dans la communauté. Cela représente énormément pour nous. Et en espérant que votre collaboration ben, se poursuive sur des années à venir, donc on le sait qu'on a tous énormément besoin de votre présence. Alors, on souhaite impérativement que vous soyez là encore avec nous, au présent dans la communauté pour encore très longtemps. Merci, félicitations. Christiane, que je vais vous apporter, celui Francine Leroux, qui est une prêtresse à la caisse de l'OPV, contribuer aux usages des personnes et des collectivités, ça fait partie de notre mandat, de notre mission. Pour vous donner une petite idée, en fait, depuis les 4 dernières années, plus de 450 projets ont été appuyés. 450 projets qui ont pu se partager 1,5 million de dollars provenant de l'État, de la quête de l'eau. Pour Bertie, en fait, je voulais les nommer, mais je me suis aperçue que vous êtes tous ici. En fait, chacun de vous, les organismes, oui, on était là à des niveaux différents, mais oui, on était là. On peut calculer même le Salon du livre, le spectacle de patin, le tournoi de nos petits Guy Lafleur, la chapelle des cris de verre, Vertirine, Vertibou. Ça en est tout, en fait, mais ça me fait vraiment plaisir. Je vais remettre ce beau prix prestigieux, en fait, à nos membres du conseil d'administration qui vont lui placer, en fait, bien en évidence dans la salle du CA, qui est dans la salle où se tiennent les grandes décisions. Merci infiniment. Deux organismes ont par la suite présenté le récipiendaire, le groupe d'entraide en toute amitié et l'envol. Je vais réinviter Julie, elle n'est pas trop loin déjà, pour présenter le récipiendaire du groupe d'entraide en toute amitié. Je pense que pas mal tout le monde ici connaît un peu ça, mais si vous ne connaissez pas, c'est un organisme communautaire autonome de lutte à la pauvreté avec un important volet marchand, dont la fameuse friperie Lavez-vous et un comptoir de meubles. Je sais que tantôt on parlait un peu d'inflation, puis on parlait de choses qui coûtaient cher. Bien, nous, on est encore à très petit prix, là, donc je vous invite à venir magasiner dans nos magasins. On est aussi au niveau du dépannage alimentaire. On a une centaine de familles qui viennent chercher de l'aide alimentaire à notre organisme. Et on est aussi très impliqués dans les écoles primaires et secondaires à Berthier, notamment avec les déjeuners-écoles. On fait vraiment plein d'affaires à l'organisme, mais là, vous allez être encore ici demain matin, je vais être encore en train de vous énumérer tout ce qu'on fait. Fait qu'on va revenir à nos moutons avec le prix, la remise du prix donné de la chance soudaine. Et je vais passer la parole à Stéphanie Beauchamp, ma responsable de plancher pour la remise du prix. On remet le prix cette année à Carlton. Depuis que tu es dans notre équipe, tu as acquis beaucoup de connaissances et tu surprends tout le monde par ta rapidité d'adaptation. Tu as réussi à développer ton pouvoir d'agir en franchissant la barrière linguistique, ce qui n'est pas facile, en établissant des relations sociales et des amitiés durables. En tant que femme, tu développes ton affirmation et ton autonomie. Tu es une personne paisible, bienveillante et respectueuse. Tu te démarques par tes petites touches de folie. Continue d'être la belle personne que tu es. Merci. L'envol, donc je présume que c'est Carole qui vient. Oui, rebonjour. Donc,
que pour ceux qui ne connaissent pas l'Envol, c'est un groupe d'entraide en santé mentale. On appelle Santé mentale Berthier-Lavalerie l'Envol. On est situé dans l'hôtel de ville de Berthier, mais notre territoire couvre tout le sud de la MRC d'Autré. Donc, c'est vraiment 9 villes, le sud de la MRC d'Autré, là, dont la Valérie. Et dans le fond, là, on ne le voit peut-être pas de votre place, mais dans le bas de notre banderole, on a les coordonnées si jamais vous avez besoin. Sinon, on a nos dépliants à la sortie. Donc, l'Envol, bien, dans le fond, c'est un groupe d'entraide. Donc, les gens qui vivent ou ont vécu une problématique de santé mentale, des adultes, peuvent venir se changer les idées. On a toutes sortes d'activités. On appelle ça par et pour les membres. Donc, c'est les membres qui décident ce qu'on met à l'horaire. C'est eux qui organisent certaines des activités. C'est eux qui viennent, dans le fond, participer à différents comités. C'est eux, notre conseil d'administration, qui engage les employés, qui décident de... ce qu'ils veulent, dans le fond, qu'ils soient faits avec l'argent qui nous est remis par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, c'est un groupe d'entraide que les membres peuvent s'impliquer, venir mettre leur couleur, puis faire en sorte que ça réponde vraiment à leurs besoins. Donc, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, ben, nous aussi, c'est pour venir remettre un prix, mais en fait, notre prix, c'est aussi une menterie, parce que la personne qui reçoit le prix aujourd'hui ne le savait pas du tout. Elle est en train de comprendre, c'est ma collègue, Annick, c'est nous. On va la laisser gérer l'information. Annick, en fait... Annick, en fait, c'est ma collègue depuis 10 ans. Ça va faire 10 ans qu'elle travaille à l'Envol le 3 novembre. Et puis, dans le fond, Annick, c'est une part aidante. Une part aidante, dans le fond, c'est quelqu'un qui a elle-même vécu des difficultés, a eu à développer son pouvoir d'agir vraiment beaucoup, est revenue sur le marché du travail. Elle travaille avec nous depuis 10 ans à donner de l'espoir aux gens, à montrer que, dans le fond, on n'est pas obligé d'être des modèles parfaits, on est des modèles humains. Des modèles humains qui, dans le fond, sont là bien intentionnés pour aider. On est authentique, on est là pour, dans le fond, montrer qu'il y a toujours du pouvoir, il y a toujours des options, il y a toujours des possibilités. J'ai pas suivi ma feuille, donc je vais regarder si j'ai oublié des choses. Je m'étais dit qu'entre autres, était toujours là, même quand j'ai une crevaison sur mon auto, hier, pour me promener un peu partout. Elle est là, dans le fond, pour nos membres. Elle est là aussi... bon, je l'ai dit, authentique, aimante, affectueuse, toujours à l'affût de pratiques innovantes pour nous aider à développer notre plein potentiel. Tu sais mettre les membres en confiance dès la première rencontre. Ils n'ont pas le syndrome de la bouche blanche, la personne qui donne des trucs qui ne sont pas réalistes. Tu es vraiment terre à terre. Et puis, tu as su, à travers les années, te rendre essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Puis, on souhaite l'avoir encore au moins 10 ans avec nous. Fait que, un gros merci. Oui, encore. Elle savait pas. Oui. Bonjour. Je suis honorée, touchée. Je ne m'y attendais pas du tout. Je peux vous dire que pour moi, l'Envol, ça a été un tremplin vers... Le retour sur le marché du travail, mais en plus de l'estime de soi, de faire du sens avec mes difficultés qui sont devenues, qui sont moins lourdes parce qu'ils font du sens dans mon quotidien. Je l'utilise pour soutenir, aider, accompagner, rêver grand. Fait que je suis touchée, merci tellement, les petites pattes me shake. Vous êtes génial, je vous aime fort. Merci. Vous autres... Aujourd'hui, pas d'anniversaire à souligner dans le grand livre des anniversaires de CTRB, mais si c'est votre anniversaire en ce 17 octobre, voilà. Toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Voilà. On poursuit maintenant avec un dossier fort important.
On parle de l'île du Port, mais on parle aussi des zones inondables. CTRB a eu ou a obtenu copie hier du mémoire que la municipalité de l'île du Port a déposé au gouvernement du Québec, au ministère de l'Environnement, concernant le fameux dossier des zones inondables. Un rapport de 21 pages, donc on a parcouru ce rapport. On vous le résume en gros, parce que c'est une partie très technique. Mais le résumé, c'est le secteur fluvial de l'archipel des îles du lac Saint-Pierre est un secteur présentant des conditions hydrauliques et hydrologiques très particulières, peut-on lire dans l'étude, dans le rapport, pardon. Des études récentes sont venues confirmer le caractère erroné et désuet des cotes d'inondation appliquées sur notre territoire depuis des décennies, que le projet de loi 67, adopté en 2021, est venu malheureusement cristalliser au détriment, dans certains cas, de citoyens dont les terrains n'ont jamais été inondés de leur vivant, peut-on lire en début de rapport. Dans ce contexte, en début de mémoire, voilà. Dans ce contexte, notre municipalité est plus que favorable à la révision des cotes qui fixent les différentes catégories de zones considérées inondables, mais seulement dans la mesure où ces cotes reposeront sur des données récentes, traitées adéquatement et reconnues scientifiquement, poursuit le mémoire de l'Île-du-Port. Avec une topographie avoisinant une pente nulle, toute correction de cote actuelle, selon les récentes études, aurait comme conséquence de corriger des préjudices envers nos citoyens et reflèterait mieux la réalité historique vécue par ceux-ci. Enfin, nous considérons, peut-on lire dans le mémoire, que le projet de cadre de règlement ou le cadre réglementaire proposé est un amalgame maladroit de notions de protection de la nature et de la gestion des zones inondables. N'oublions pas que l'environnement, c'est le milieu où l'on vit. Lorsque les inconvénients sur la vie des citoyens sont plus graves que les préjudices causés à l'environnement, ça prend des exceptions. Donc, on vient de vous résumer en quelques paragraphes le mémoire de 21 pages de l'île du Port qui compte 678 citoyens et par, évidemment, les nouvelles possibles normes au niveau des inondations, là, la municipalité est très impactée. Le rapport prévoit aussi plusieurs recommandations, on va vous en énumérer quelques-unes, que l'archipel du lac Saint-Pierre soit considéré comme un milieu particulier, voire unique, ce qui exige des études hydrauliques, que ces études soient menées spécifiquement pour y déterminer les cotes de récurrence en fonction des connaissances hydrauliques les plus à jour possibles. On recommande de revoir également les cotes d'inondation du tronçon fluvial Varennes-Grondines, donc qui passe devant l'île du Port, l'île Saint-Ignace, Berthierville, etc., la Noret et plus, et de revoir localement les cotes d'inondation en amont et en aval des réversoirs rehaussés en fonction des différents canaux. On sait qu'il y a plein de canaux, une centaine d'îles, et le rapport explique de façon très technique la variation là, du niveau de l'eau qui n'est pas la même à cet endroit que dans des lacs, que dans des rivières, et aussi en raison des travaux qui ont été effectués, des barrages ou des réversoirs, comme on appelle, là, qui retient l'eau. Donc, c'est pour ça qu'à certains endroits, l'eau est très basse dans les îles de Berthier. Donc, alors qu'on a creusé le chenal du fleuve pour les bateaux, donc, c'est expliqué là, de façon technique, mais très bien. On veut aussi, on recommande que le secteur des îles soit dissocié de l'approche cartographique des zones inondables du bassin versant, donc l'eau qui s'écoule vers le fleuve, de pouvoir utiliser les cotes 2, 20 et 100 ans définies dans les études récentes comme niveau de référence pour l'émission de permis, en attendant qu'une étude hydraulique spécifique soit menée localement pour qu'un consensus scientifique sur ces cotes soit obtenu.
Donc, on veut aussi qu'on recommande que soit permise sur le territoire de l'Île-du-Pas l'utilisation de pieux et de pilotis pour, évidemment, soulever certaines maisons, certaines résidences, en égard à la conversion de maisons familiales et de maisons bigénérationnelles ou encore pour l'adaptation de celles-ci à l'égard des personnes à mobilité réduite. Que la période de consultation publique aussi, on recommande ça, qui se termine aujourd'hui, donc soit prolongée. Donc, évidemment, on n'a pas la réponse au moment présent. Et que la fameuse cote de 300, la cote de crue des eaux là, de 350 ans qu'utilise le gouvernement, soit connue. En effet, les cadres réglementaires permanents proposé suggère l'ajout d'une cote de crue de 350 ans dont la valeur est pour le moment inconnue des municipalités, ce qui nous empêche, peut-on lire dans le rapport, d'en évaluer la portée. D'autre part, l'idée même d'ajouter cette récurrence 350 ans nous paraît insensée, d'autant plus que l'idée d'utiliser cette récurrence provient de ce qui est actuellement utilisé en Colombie-Britannique pour des systèmes hydriques non gérés, ce qui ne serait pas le cas là, dans nos îles en raison des réversoirs et des barrages. Donc, c'est complètement différent, nous dit-on. Bref, un rapport de 21 pages, beaucoup technique, et évidemment que la cote, on souhaite aussi, là, dernier petit point, que la cote des crues du rapport Lapointe, qui lui date de 1990, soit mis à jour. C'est ce que la municipalité de l'Île-du-Pas a déposé au gouvernement du Québec. Donc, c'est un rapport de 21 pages avec des graphiques, des références à des études. Et ce qu'on dit, dans le fond, c'est refaisons les cotes avec les systèmes d'aujourd'hui qui, évidemment, sont différents de ceux de 1990 et d'avant. Donc, un dossier à suivre. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera dégagé. Une température de 8, un temps ressenti de 6. Jeudi nuit, ce sera dégagé. Une température de 1. Un temps ressenti de moins 1. Vendredi matin, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 1. Un temps ressenti de moins 1. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé. Une température de 15. Un temps ressenti de 15. Vendredi soir, ce sera dégagé. Une température de 10. Un temps ressenti de 8. Vendredi nuit, ce sera dégagé. Une température de 4. Un temps ressenti de 1. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.